une année qui a bouleversé tous les équilibres mondiaux, internationaux. Et cette crise Covid, dont les impacts sont venus jusqu'à chez nous, ont montré la fragilité de nos territoires, ont exacerbé aussi les différences, les inégalités entre les populations sur un même territoire ou entre pays. Nous allons aujourd'hui parler de 2021 avec beaucoup d'espoir, et c'est vraiment l'espoir qui nous guide aujourd'hui. Mais pour autant, parce que nous voulons passer après le Covid, mais pour autant, l'essentiel reste l'emploi, reste le logement, reste la formation. Donc il ne faut pas non plus que nous soyons tous Covid, 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 mais que nous ayons à traiter d'autres choses. J'ai parlé des inégalités. Donc ça, c'est la responsabilité des élus que nous sommes, que de prendre ces sujets et y apporter des réponses concrètes.